Je suis l'ambassadeur de la République de Chine, Taïwan. Je m'appelle Hu Zhenghao. Je suis arrivé il y a à peine 2 semaines. Mais j'ai beaucoup de chance de pouvoir participer à cette cérémonie aujourd'hui de la distribution de riz organisée par mon père et la fondation bouddhiste de Ziji de Taïwan. Donc, je vois que, mesdames et messieurs, vous êtes très nombreux et donc je suis très content que tout le monde soit ici et nous pouvons partager notre amitié et notre amour vient de Taïwan, République de Chine, avec le peuple haïtien. Donc aujourd'hui, je voudrais remercier sincèrement mon père et M. Chen avec la Fondation Ziji. Et j'espère que tout le monde ici présent, vous pouvez passer une très bonne après-midi, un très bon après-midi avec le riz donné par notre fondation et d'origine Taïwan. Honorable Ambassador Hu and distinguished Father Duki and ladies and gentlemen, on behalf of our Ziji Foundation and beloved Master Qing Yan, I would like to extend our utmost gratitude to Ambassador Hu, Father Duki, and the local authority like police to support today's distribution. Mr. Chen, eh bien, dis-nous que après-midi, il est très content pour être capable d'exprimer gratitude li envers ambassadeur Hu qui là et envers moi-même Perzuki et envers nous tous qui là et d'une façon spéciale à policiers qui a assuré sécurité distribution après-midi. Of course, the most important, I want to thank you all for your discipline. Lydie, naturellement, livre remercier nous tous qui là pour discipline nous. Like the first time I was here, I already tell you, if you are disciplined, as long as we have rice, I will be back. Et tant qu'on était venu première fois là, il dit nous, tout autant que gagner discipline dans la distribution, tout autant que gagner discipline dans la cour, eh bien, la retourner pour être capable d'assurer distribution toujours. Ça, il remonte déjà à 4 ans. Chaque année, 3 fois pendant l'année, nous faisons distribution pour parents et élèves, tout particulièrement élèves qui sont petits ou élèves kindergarten. Et parce que les gens ont gagné en pile difficulté pour la croissance, parce que ils sont sous-alimentés, ils n'ont pas mangé suffisamment. Dans l'école, il y a un programme de cantine tout pour les élèves, pour tout le monde. Le matin, les gens qui sont petits, nous avons un gobelet avec un petit pain. Et vers 10h, tous les élèves recevront un plat chaud. Et comme le plat chaud que vous recevez dans l'école, là, il n'est pas suffisant vraiment pour eux. Et nous essayons d'organiser des concerts avec la Fondation Tucci en distribution pour les parents. Comme ça, les parents sont capables de gagner un petit moyen en plus pour capable assurer et, nourriture pour les parents.